On entend tous les jours qu'une nouvelle plainte est déposée contre Justin Bieber et aujourd'hui ne fait pas exception. Cette fois-ci, c'est par un photographe qui affirme que le garde du corps de Justin l'aurait enfermé dans un restaurant Subway et l'aurait blessé. Ça se serait passé en janvier, le même soir où Justin a été arrêté pour conduite en état d'ivresse à Miami. Et le photographe dit qu'il prenait des photos du chanteur en train de quitter un club. Puis, son garde du corps l'aurait poursuivi dans un restaurant Subway, acculé dans les toilettes et demandé à ce qu'il efface les photos. Il ajoute que le garde du corps lui aurait donné des coups de pied et de poing et a fini par s'emparer de ses cartes mémoire. Il a rempli un rapport de police dans lequel il n'a pas dit avoir été frappé, mais où il précise qu'il a eu une égratignure au genou en tombant. Il porte plainte pour des dommages au montant non précisé. Et bien sûr, l'équipe de Justin dit que c'est de l'extorsion et qu'il n'y a eu aucun dommage. On suppose que c'est le prix à payer pour être Justin Bieber.